Les pourparlers ont suivi l'annonce que Buckingham Palace enquêtait sur les accusations d'intimidation du personnel contre Meghan et la célèbre interview d'Oprah. Dans le dernier épisode de Harry Meghan, la série docu en 6 épisodes, le duc de Sussex a révélé à quel point il était difficile pour lui d'assister sister aux funérailles du prince Philippe car elles arrivaient si tôt après quelques mois difficiles entre lui et les membres de la famille royale. Point. Bien qu'il ait parlé avec son père et son frère, le roi Charles et le prince William, il semble que la réconciliation entre eux reste incertaine, car Harry a maintenant déclaré qu'il n'obtiendrait jamais les excuses qu'il estime que lui et Meghan Markle méritent. Dans le dernier épisode du documentaire, Harry a raconté à quel point il était « difficile » d'assister aux funérailles du duc des accents aigus d'Edimbourg en avril de l'année dernière. Les Sussex avaient alors officiellement quitté la monarchie, en mars 2020 mais l'année suivante, un mois avant la mort du prince Philippe, l'interview révélatrice d'Oprah Winfrey devait être publiée. Dans le dernier épisode de Harry Meghan, Harry a parlé de son retour au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père et de sa rencontre avec Charles et William pour parler des choses qui s'étaient passées dans les semaines et les mois précédents après la cérémonie. C'était une période au cours de laquelle les tensions étaient peut-être les plus élevées depuis des années. Les pourparlers, selon Harry, ne se sont pas bien déroulés. Il a laissé entendre qu'il y avait un malentendu complet entre lui et Meghan et le reste des échelons supérieurs de l'entreprise, affirmant que Charles et William étaient tous les deux concentrés sur la mauvaise interprétation de toute la situation. Toa tashi hanata o tsuru.